On est avec Loris Garcia. Vous faites un déplacement rare sur les pommes de Vincennes. L'an dernier, vous aviez pris une superbe place dans la finale du Grand National du Trot. Dans la foulée, vous avez réalisé une très belle année et le cheval reste sur une brillante victoire à Cagnes-sur-Mer en 1-12. Qu'est-ce qui vous pousse à profiter de cet engagement sur mesure? Déjà, ouais, la qualité de l'engagement au niveau des gains, puisque le cheval est le plus riche de la course. Et puis, faut profiter de la forme. Le cheval vient de bien gagner. Voilà, il est au travail, il est très très bien. Donc, avec son propriétaire, on a décidé de courir cette course plutôt que le prix du Forêt qui arrivait 6 jours plus tard. Voilà, c'était un choix. On verra si on a bien fait. Vous l'aimez autant sur les parcours de vitesse ou peu importe? Il s'adapte à tout, on dirait. Voilà, je pense que c'est vraiment le cheval quand même de tenue. Même si avec le temps, quand même, il s'adapte un peu à tout. Parce que j'avais gagné à Vichy en 2100, là, où il avait bien gagné. Et il avait été fort ce jour-là. Et puis là, le dernier coup, 2007 à l'auto à Cagnes, il a démarré proprement sans que je lui demande de forcer, et puis après il a bien gagné, donc ouais, maintenant il s'adapte quand même à beaucoup de choses. Ah, il a battu quand même Elsa de Belfond, il a eu un parcours né au vent, alors qu'avant avec la de gloire il fallait quand même un petit peu cacher. On a même l'impression qu'il est sur la montante à 7 ans. Oui, je pense qu'il a passé un cap. En fait, le cheval, j'ai beaucoup préservé plus jeune, en pensant que c'était quand même un cheval qu'il fallait un peu protéger. Alors je le courais beaucoup caché et on avait l'impression qu'il avait besoin de ça. Mais depuis un an, le cheval, il est fort, il peut se permettre pas mal de choses, je peux faire des efforts dans la course et ça lui peine pas pour finir, quoi. Où est-ce qu'il va s'arrêter que la Gloire ici détient une première chance, hein, avec Violetto Jet? Ouais, Violetto Jet, évidemment, c'est un super cheval, il revient en forme, sa dernière course est très bonne. Je sais que c'est un cheval très estimé, il n'y a pas que Violetto Jet, il y a Dream de la Sri, il y a les chevaux à Jean-Michel, et d'autres, mais voilà, le cheval, il est sur la montante, je peux pas l'avoir beaucoup mieux que là, donc faut en profiter, quoi.